Avec cette technologie de Facebook et autres, tu pourras voir même ton ex que tu avais abandonné à 14 ans. Hmm? Pourquoi tu ris comme ça? Tu fais semblant pourquoi? Il y a des gens qui ont commencé ici à 14 ans. N'est-ce pas? Ah, donne-moi un amen, ne fais pas semblant ici. Tu te crois que même si tu ne me donnes pas un amen, je vais te croire? Moi, je le connais. Il y a des gens qui ont commencé même à 12 ans ici. Tu as déjà commencé à carburer. Hmm. Ton premier ex, c'était à 12 ans. Donc tu es là dans ta vie de fiançailles aujourd'hui avec l'homme que Dieu t'a donné. Tu es dans ton mariage, grave encore. Tu es dans ton mariage, mais au lieu de regarder devant, toi tu commences à regarder, tu swap un peu, tu vois la photo. Tu dis, hé, Jean lui est devenu comme ça. Il est devenu pilote. Ah bon? Là c'est quoi? C'est sa maison? Dites-moi un peu la vérité, donnez-moi de l'eau. C'est sa maison ou bien il est en train de louer? Donnez-moi de l'eau. Tu vas mourir pour Jean-Louis. Jean-Louis est dans le passé. Laisse Juliette dans le passé. Les amens sont pourris pour moi. J'ai choisi un sujet sensible. Ça te fait souffrir jusqu'à aujourd'hui. Oh Jésus. Que Jésus guérisse ton cœur. Je sens la douleur. L'atmosphère est devenue lourde. Il y a quelqu'un qui a dit, maman, il ne fallait pas parler de ça. Ça, c'est pour créer des remords. Tu es là en train de regarder, tu dis, hé, le garçon là qui m'avait laissé là, celui que j'ai trouvé bizarre, aujourd'hui, j'apprends qu'il est devenu DG, PDG, directeur. Toi, ton mari, il travaille à la SNEL. Il est payé 100 dollars. Des fois, quand tu le regardes, tu dis, Seigneur Jésus, c'est lui ou c'est pas lui? Tu es déjà marié. Tu as déjà l'alliance au doigt. Mais tu le regardes au salon, tu dis, Seigneur, c'est lui ou c'est pas lui? Révèle-moi, Seigneur, les réma, les réma. Il n'y a pas de réma. Tu es marié. Mais le problème, c'est quoi? Le diable utilise maintenant ton passé pour te faire douter de ton présent. Vous êtes sûr? Jésus sur ta vie? La fréquence de prédication.